Les messages positifs que je reçois depuis des mois font que je ne suis pas encore passé à l'acte. Ces mots se sont soutenus par la youtubeuse Olympe, de son vrai prénom Lily, dans une vidéo publiée sur sa page Instagram. Il y a quelques jours, la jeune femme a annoncé que fin 2023 elle comptait avoir recours au suicide assisté. Le visage d'Olympe parle peut-être à certains. Il y a un an, l'influenceuse avait témoigné dans l'émission Ça commence aujourd'hui présentée par Faustine Bollaert sur France 2. Elle s'était alors confiée sur son trouble dissociatif de l'identité, TEDi, et avait sensibilisé de nombreuses personnes via son interview mais également via sa plateforme au sujet de cette maladie dont elle souffre. Après avoir ouvert sa chaîne YouTube en janvier 2020, elle partage depuis 3 ans son quotidien en tant que personne atteinte de TEDi et compte aujourd'hui plus de 250 000 abonnés. Néanmoins, il y a une semaine la youtubeuse de 23 ans a annoncé sur son Instagram vouloir avoir recours au suicide assisté. C'est au travers d'une vidéo en 2 parties qu'elle a expliqué sa décision et a précisé que son TEDi n'est pas la cause de ce choix irréversible.